Quel réveil, dès le matin, commencer par se faire du mal comme ça avec un jeu fini à la pisse. Bonjour et bienvenue sur le test de Tramsim Munich. Salut Gaëtan. Bon, après une un petit week-end, j'espère que ça s'est bien passé. Moi, j'étais me reposer, me ressourcer un petit peu en Normandie. Et en attendant, mon PC a téléchargé tous les jeux dont j'avais besoin pour cette semaine. Alors cette semaine ça va être du jeu VR à l'appel, je vais sûrement compiler tout ça dans une vidéo sur YouTube parce qu'il y en a quand même pas mal. Puis je sais que vous aimez pas la VR donc je vais pas vous faire chier avec ça. Et puis il y a Tramsim Munich, et oui Munich, 2 qui la tiennent, 3 qui la, et voilà. Et ben c'est un peu ça, là le joueur est un peu niqué en achetant ce jeu là, je sais pas si vous vous rappelez de Tramsim quand même, on avait déjà Tramsim. À la base le jeu s'appelait juste Tramsim. Ensuite, c'est devenu Tramsim Vienne, parce qu'ils ont vu que ils allaient développer d'autres villes comme ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fini le précédent jeu, qu'ils sont déjà sur un nouveau. Apparemment, chez Aerosoft, on se contente de peu. Ouais, c'est relaxant, la Normandie, Gaëtan. Ouais, on se contente vraiment de peu, parce que le dernier Tramsim, moi, m'a laissé complètement sur ma faim. Le jeu n'est pas fini. C'est une simu, oui. Mais il y a rien autour de la simu, quoi. C'est-à-dire, on monte dans le tram, comme disait Kevin, ça me faisait rire quand il disait ça. Il disait, on monte dans le tram comme si on l'avait volé. On monte dedans, paf, on prend les commandes et on se barre. C'est à peu près pareil, il n'y a pas de gestion économique, il n'y a rien du tout. Mais le pire, moi, ce qui m'a vraiment laissé sur le carreau, c'est la gestion de la VR. La gestion de la VR avait été annoncée dans le jeu, on avait fait des essais. Bon, ça buguait un petit peu. Ils ont refait des mises à jour, tout ça, ils ont essayé d'améliorer le jeu. Pour au final nous sortir, je crois que c'était une version 1.5 de Tramsim Vienne qui était buggée jusqu'à la moelle. C'était impossible, injouable. En VR, ils nous avaient vendu la VR en tactile, c'est-à-dire qu'on pouvait appuyer sur les commandes. C'était injouable. Ça dépendait du casque qu'on avait. Il y a plein de joueurs qui ont eu le problème. Moi, je l'ai. Je ne peux pas jouer en VR à ce jeu-là. Pourtant, en VR, c'est juste le panard. J'ai tout remonté au développeur. Ce truc qu'on m'a répondu, c'est... En gros, c'est des questions à la con, enfin des trucs bidons, genre vous avez redémarré votre PC, vous avez mis à jour vos pilotes, mais connard, c'est pas moi le pilote de carte graphique, c'est ton jeu qui est codé à la pisse. Putain. Salut Hugo, salut Nux. Bon, bref, ils nous sortent une suite, et c'est mon premier lancement, je l'ai pas lancé encore. D'où le titre, avec un point d'interrogation, est-ce que le jeu sera codé à la pisse, ou à la merde, ou avec le cul, comme vous voulez. Comme son grand frère Tramsim Vienne, et ben on va lancer, on va voir. Alors je vais peut-être déjà aller dans les paramètres, regarder s'il y a moyen de mettre du très élevé quand même. Très élevé, 60 fps. On va rester en synchro parce qu'après les jeux bug un peu. Ouais, saleté du tramway. Waouh, mais c'est magique. On va pouvoir salir notre tramway. Alors, les graphismes, c'est bon. L'IA. Ah, on a une IA. Ah oui. D'accord. Alors, apparemment, on peut avoir d'autres tramways sur la ligne. Bon, on va en mettre plein. Max, voilà. Trafic automobile. Ouais, je veux des piétons, je veux des bagnoles. Je veux de la vie. Alors, revenons en arrière. Jouabilité, qu'est-ce qu'on a inversé souris? Non. Affichage PTS, fenêtre de profil, mode français, oui. Tout ça, on va laisser des commandes. J'espère que ça n'a pas changé. On va créer une nouvelle partie. Alors, on a toujours mode simplifié, mode avancé. On va peut-être pouvoir gérer les horaires, c'est ça? Attends, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mode Covid, on l'a toujours. On peut toujours mettre le masque. En allemand, où est-ce que tu as vu des trucs en allemand? Mais non. Bon, un petit peu, mais... direction du voyage, donc ça on va pas toucher. Station de départ, on a deux stations. En fait, on a toujours pareil, hein, qu'une seule ligne. Ils nous font un jeu pour une ligne plutôt que de faire comme dans Train Sim World où on a un jeu et plusieurs lignes. Eux ils préfèrent prendre du cash sur des jeux buggés, quoi. Bref, on a combien de véhicules? Flexity E2, on a 4, on a 5 véhicules. Alors celui-là ça va être le petit nouveau. Numéro de wagon, on s'en fout, on va se rester. Avec un beau temps en été, on va se faire plaisir quand même. Startup véhicule, alors non, parce que j'ai pas envie de me taper toute la procédure de démarrage. On sait comment c'était galère dans le premier. Je vais pas, pour une découverte, me jeter sur un truc où il va falloir commencer à allumer tous les interrupteurs.
Mauvais fonctionnement de l'interrupteur. Les commutations sont automatiques. Ouais, automatique. Attends, on va commencer comme ça pour le moment. Salut, c'est un DLC. Non, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu. Codé avec le cul, comme le premier. Non, je sais pas. On va voir. Mais de toute façon, je vois pas pourquoi on changerait. Le premier était pas fini et ils nous sortent un autre. Putain, mais bah déjà, alors hop. Qu'est-ce que ça dit graphiquement? Alors, est-ce que je peux déjà descendre? Ouais. Oh putain, j'ai l'impression d'être. Mon personnage, il fait 10 mètres de haut là. Faut que je me mette en config anglaise. Ouais, clavier anglais. Je veux sortir! Ah, attends, faut déverrouiller les portes peut-être. Comment je remonte à mon. Voilà. C'était quoi? Bon, les touches ont pas changé. Ok. Bon, l'environnement, c'est toujours l'Unreal Engine qui fait tourner le jeu, avec les assets de base, les arbres, tout ça. Les bâtiments, c'est vrai que c'était une des forces du jeu, ils sont super bien faits. Hein. Non mais c'est vrai, quand on passe à côté, les bâtiments sont en 3D, avec un intérieur en pseudo 3D, c'est juste magnifique quoi. Merci Flo pour ton resub. 9e mois, oh mais Gaëtan aussi, merci Gaëtan. Ah, vous commencez bien. Mail startup véhicule en activé. Bah non Hugo, attends, je démarre le jeu. Je vais d'abord voir ce que donne le jeu avant de commencer à voir que les véhicules sont buggés. Non, peut-être pas, mais bon. Ça me paraît un peu plus vite que Vienne. Alors bon. Après, les lignes étaient bien faites hein, quand même dans Vienne au niveau de l'environnement. En tout cas, ceux qui habitent là-bas ont reconnu leur quartier, tout ça. Donc les trams sont bien faits. Des beaux reflets de peinture. Merci l'Unreal Engine. Ouvrir la porte. Ouais, allez. Salut Red Flag. Bruno, tu vas accoucher, t'es à 9 mois. Putain, déjà. Mais ça, ouais, ça fait 9 mois de Twitch. C'est bien. Bon, on attaque ou pas? On lance. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah ouais, attends, faut peut-être verrouiller les portes. Alors ça me paraît plus simple, je me rappelle la première fois que j'ai lancé Tram Sim Vienne. J'étais là. Mais comment on fait démarrer le truc? Il n'y avait pas un tuto, il n'y avait rien. Alors bon, là il n'y a pas de tuto. Enfin, en tout cas, j'ai rien eu. Est-ce qu'on peut toucher à tout comme avant? Attends, je regarde, on peut zoomer, ouais. Ah, sûr, ouais, donc on peut ouvrir les portes. Forcer l'ouverture des portes. Bon, on va regarder ça. Ah, tuk-tuk-tuk. Oh, le son est toujours bon. Alors, ils ont le masque. Ah, on a un fauteuil roulant. Est-ce qu'on avait les handicapés sur... Je me rappelle plus, sur Tram Sim Munich. Alors, on va déverrouiller les portes. Il faut peut-être que je lui mette une rampe à ce monsieur. Comment je mets la rampe? Commande. Touche de sablage, essuie-glace, frein d'avant, station. Abaissement d'urgence. Attends, abaisser l'élévateur pour fauteuil roulant. Ok, page down. Pas de problème. Alors, fais voir comment ça marche. Non, mais... Non, je voudrais la vue extérieure. Hey, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, la rampe ne sort pas. Le pauvre, il va rester dehors, quoi, mais... Je peux pas faire ça, je peux pas partir avec... Attends, dépier le pantographe, non. Lever, ah non, c'est end, attends. Hop. Attends, retour au jeu. Ça marche pas. Ça ne marche pas. J'appuie sur la touche, end. Pour le fauteuil roulant ne sort pas, je suis désolé. Peut-être que je lui ouvre la porte, non? Peut-être que je me remette en clavier français. Non. Bah écoute, écoutez monsieur, je suis désolé, je pense que vous allez rester sur le trottoir. Hein. Je suis vraiment, vraiment, vraiment navré. Attends, on va essayer ça pour voir. Rien du tout. J'entends tic 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 tic. Je veux bien moi tic tic tic. Ah, il est là. La rampe est là. Attends.
Eh ben écoute, ça ne marche pas quand je vous dis que ce jeu est codé avec la pisse. Putain. Restez appuyé, sinon le truc d'urgent. Et de quoi? Restez appuyé. Y a rien, il se passe rien. Bon, bah, ça commence déjà vachement bien. Je sais pas, tu prends ton jeu de bus, t'appuies sur le bouton, et c'est end. Ouais, c'est ce que je fais. Il se passe rien. Et pourtant, regarde, Hugo, le bouton. Tu vois, il s'appuie. Mais mon machin sort pas le... Bah, sort pas la rampe. Génial, ça commence super bien le jeu. Je vais regarder vite fait les commandes, voir si j'ai pas... Y a pas un truc... Arrêt d'urgence, non. Feu de détresse, déblocage des portes. Freinage d'urgence, essayez. Bah non, ça va pas être désinstallé tout de suite, faut que je l'essaye en VR. Je veux absolument essayer ce jeu en VR. Bon, n'empêche que. Bah je suis désolé hein, mais. Moi j'ai pas le manuel quoi. Descends et fais la touche. Ça va se finir comme ça, elle est où la touche? C'est où la touche, Hugo? Où est-ce que tu vois une touche, toi, pour sortir la rampe? C'est quoi, ça? Distributeur de... Non. Ok, distributeur de capote dans le... Putain, mais il est long, le tram! Ouais, mais ça marche pas. Page down, ça marche pas. Que je sois à l'intérieur en cockpit ou pas du tout, il se passe rien du tout. Alors, on peut toujours appuyer sur tous les boutons, mais je veux bien, moi. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est quoi, l'ouverture de toutes les portes? Merde. Bon bah, Ah, c'est peut-être parce que j'avais la marche... J'étais en marche avant. Ah, petite subtilité? Non. Barre-toi, ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça. Me barrer semble être la bonne solution. Allez. Taïo, bon bah je suis désolé, vraiment désolé monsieur, hein, mais... Écoutez, hein, les développeurs ne veulent pas de vous visiblement, donc... moi j'y peux rien. Hein. Alors comment on change les vues là-dessus? Ok, 1, 2, 3, 4... Ouais, c'est quoi ce baisse de framerate? Je rappelle, hein, Intel Core i9, RTX, tout tralala, 64Go de RAM, mais j'ai encore des baisses de framerate sur un jeu qui affiche juste des personnages avec un balai dans le cul et un masque Covid. C'est génial. Tiens, vous méritez même pas que je m'arrête. Mais non, j'ai pas envie de m'arrêter, les gens méritent pas. Ils sont... Waouh, mais dis donc, München, c'est très verdoyant. Ça va, le son du tram vous éclate pas les oreilles? Qu'est-ce qui se passe? Bah... Pourquoi il s'est arrêté? Le machin s'est arrêté net. J'ai pas... Je vous jure que j'ai pas appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. C'est combien la vitesse max? Je vais te dire ça. Vas-y, on y va. Ah, je crois que je t'adonne à 60, hein, Hugo. Peut-être regarder le décor un peu, non? Alors voici le fameux pont de Monique. Que c'est joli. Moi je
vois rien, j'ai mon pare-soleil, je peux même pas le lever. Ah, c'est pas Train Simworld. Hein. Oh, un autre tram. Je suis allé trop vite. Ah putain. Oh, est-ce que je peux lui bourrer dedans ou pas? Attention, impact. Alors j'ai eu une chute à 3 FPS avant d'avoir un pop-up collision avec un autre tram. Et hop là, David Schiffer. Hop là, tout a disparu. C'est génial. Bon, on va peut-être ralentir, t'as raison. Ça, c'est vrai que ça freine sec, hein. Ah, mais je mets peut-être un petit peu de frein aussi. Là. Ah oui, alors attends, il y a une touche pour se remettre en roue libre. Ah ouais, génial. Touche cul, ouais. Oula, vous avez habitué à mieux là au niveau des décors de fond, quand même. Waouh, c'est joli. Bon, c'est toujours les mêmes personnages. Hein. Oh bordel, ça lag. Oh, au secours. Vous savez ce que je vais faire? Je vais peut-être remettre. Ouais. Je vais peut-être remettre ce qu'ils avaient mis en élevé. Hein, parce que visiblement le jeu. Voilà. Ça tournera pas sur une Xbox One, quoi. D'après, hein, d'avoir un projet open source de développement de ville. C'est vrai. Tu refais Night City. Quoi, tu. Oui, vas-y, je débloque. Juste pour info, est-ce que je peux? Non. Je peux pas débloquer mes rampes. Et il y a pas une touche quelque part pour les rampes handicapées quoi, en extérieur pour la déployer. Non, y a rien. Rien du tout. Ça bande de klaxon. Ah, c'est vrai. Oh, il y a moyen, je pense, de modifier ça. Hein. Non mais c'est pas possible. Je pense que quand je vais mettre mon casque VR, je vais avoir la même chose que sur le premier. C'est-à-dire une baisse de framerate à 2-3 FPS. Parce que rien que déjà là, j'affiche juste quelques véhicules. Un peu de ville, un peu de végétation. Oh, attends, le décor est pas fini? Parce que je crois pas qu'il y ait la mer hein, à Monique. Hein. Non mais là, il n'y a rien, la ville, elle s'arrête net quoi. Ah, j'ai une collision, je peux pas aller plus loin. Ils ont pas fini la ville. Oh putain, oh là là, ça lag. Oh. Ah non, mais c'est même plus à mort là, Swiss Jim. C'est... Bon, finalement, mon titre, la réponse, ça va être oui. Le jeu est fini à la pisse. J'adore. Bon, en fait, faut pas sortir du véhicule, faut rester en vue intérieure avec des œillères pour pas voir trop de décors, sinon... Interdiction de passer droit devant. Ouais, il faudrait que je me rappelle un petit peu des signalisations. Attends, on va reverrouiller. Il faut que j'attende le feu rouge, c'est ça? Ah, K. C'est quoi K, Hugo? Je me souviens plus. Faudrait que je retourne sur Wikipédia revoir. Ok, là, j'ai le droit de tourner à gauche. Hop. C'est quoi K? Oh, regardez-moi ces bâtiments au fond. Wouah! Aïe, 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 aïe! Work in progress en bas. Mais putain, mais ne le sortez pas, le jeu! Terminez le premier! Finissez Tram Sim Vienne, déjà! Et puis vous sortirez Monique plus tard, l'année prochaine! On serait content de l'avoir, ce jeu, s'il était terminé. Je suis sûr qu'ils sont déjà sur le troisième. Bientôt, tu auras Tram Sim Paris. Et puis, le jeu, celui-là, va même pas être fini. Putain, je vous jure, j'ai des chutes de FPS, mais c'est un truc de malade. Vous avez vos passes sanitaires? Est-ce qu'ils ont pris le temps de coder le minou? Ah! Même pas! Ah là là là, tonton Lulu va être déçu. Redresse-toi, tu vas être bossu. Puis remets ton masque correctement, merde! Le port du masque, c'est pas comme ça, gars.
Putain, ouais, en fait, j'avais pas mis circulation très élevée. Attendez. Non, c'est dans jouabilité, non? IA. On va. Ouais. Ah non, je suis obligé de quitter le jeu pour rebaisser l'IA. Non, mais c'est ça, en fait, il y a trop de circulation, regarde. Regarde-moi ça. Trafic simulator, le truc. Allez, go. Rigole, Swiss Jim, mais mais tu sais qu'il y a tellement de gens qui sont fans des trams, des trains, tout ça, que de toute façon, ils vont l'acheter. Oula. Ah non, mais là, on arrive sur une portion de ville, les gars, qui n'est pas terminée du tout. En fait, faudrait tirer les pare-soleil de partout pour pas voir le désastre. Wow. Regarde ça, des vitres dans le sol. Mais non. Non mais, oh là là, des glitches. Non mais... Non mais c'est pas terminé là. Non mais c'est pas possible. Comment on... J'en ai plein le cul de tester des early access. 0.9 quand même, un bêta 0.9, c'est-à-dire qu'on est juste à deux pas de la version finale, quoi. Oh, j'arrive peut-être un peu vite, non? Non. Oh, les beaux bâtiments, c'est quoi l'office du tourisme? Un marchand de fleurs. N'empêche que leur bâtiment, moi j'aime bien leur relief qu'ils ont là, c'est assez joli. Bon, je le critique hein, beaucoup, hein, mais bon, non, c'est juste un petit ras-le-bol général là sur ce jeu bien précis. Hein, c'est... Et puis la politique d'Aerosoft là, de sortir des jeux pas terminés, j'en ai un peu plein le cul. Surtout ce jeu là, parce que ce jeu là, je me rappelle la première fois que j'ai testé, j'ai fait ouais, c'est pas évident à prendre en main, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Et puis il y a eu une première update, puis une deuxième, et puis une troisième. Le jeu s'améliorait. Là, je me suis dit, allez, on va le tester en VR, le VR catastrophique. Et puis ils ont fait des patchs VR en disant, mais c'est merveilleux ce qu'on a fait, regardez, on peut même jouer avec les mains. Et non, on peut pas jouer avec les mains, c'est injouable. Et pourtant, ça aurait été tellement bon. Alors qu'en ce moment, en plus, on parle à fond de la VR avec le métaverse de Facebook. Enfin, de Meta, par contre. Ça aurait du sens, tu vois, de faire un jeu comme ça, full VR. Tous les jeux de simu, d'ailleurs, auraient du sens d'être en VR avec le tactile, avec les mains, avec les manettes. Mais non, ils vont pas dessus. Ils préfèrent nous ressortir une daube pas terminée. Ça sent les mecs qui veulent gratter du fric. Mais tu vois, vouloir gratter du fric... Eh ben, alors moi je les ai gratuitement les jeux, donc je vais fermer ma gueule. Mais j'achète Tram Sim Vienne, ok, ça roule. J'achète Tram Sim Munich, un jeu qui est pas fini et je sais pas combien il est, mais je le paye plein tarif. Bah vous pouvez être sûr que j'achète pas le troisième, quoi. Un feu grillé, ouais, peut-être. Je peux pas déverrouiller, non, il veut pas. Comment on klaxonne? C'est quelle touche? Tut tut, fils de pute. Klaxon. Cloche. Ah, j'ai les... C'est pas les cloches que je veux. C'est le klaxon, le vrai. Y a pas. C'est pas vrai. Non. C'est pas grave. Oh. Alors les gars, entre le moment où j'appuie sur la touche 0 pour foutre la cloche et le moment où j'entends le son de la cloche, il y a 2 secondes. La vache. Waouh. Bon, il avance l'autre ou j'y bourre dedans? Réponse A. Je lui bourre dedans, comme ça il va disparaître. Ah, collision avec un autre tram. Non. Pourquoi? Vas-y, arrête-toi. Hop. Allez, vous pouvez monter. Dis donc, madame, avec votre truc léopard, vous auriez pu changer de pantalon depuis la dernière version du jeu.
J'adore ton masque, mais plutôt que de faire des masques à la con, Tramsim, ils auraient mieux fait de finir leur jeu, ça aurait été peut-être bien. Au moins d'ajuster le masque. Non mais sérieux, comment on peut présenter ça, quoi? Je sais pas, enfin... Aïe, 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 aïe. Oui, oui, je regarde pas la circuit, enfin la signalisation, Hugo. Oh, des sœurs jumelles. Qu'est-ce qu'elle regarde sur l'iPhone? Attends. Un TikTok? Non. Cette gestion d'IA. Aïe, 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 aïe. Vous pouvez monter, les gars. Hein. Non, vous voulez pas? Vous avez peur? Mais vous avez bien raison. Vraiment. Allez, on y va. Salut Nux. Et bon jeu. Ouais, ouais. On y pense, on y pense. Bon, là, il va pas durer 3 heures. Hein. Je vais. Ah, c'était quoi ce symbole là, le triangle? Oh là 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 là. Attends, j'ai pas arrêté de passer, c'est ça? De passage. Attends, arrête-toi. Arrête-toi. Y'a quelqu'un qui arrive? Ah non, y'a personne. Ça, Hugo, on est d'accord. C'est bien stop. Enfin, je suis bien censé m'arrêter, là. Ah, tu me diras oui, puisqu'il y a de la circulation en face. Donc, essaye de pas leur bourrer dedans, quand même. Pourquoi ça fait bip bip là depuis tout à l'heure, hein? Quelqu'un qui est en train de faire un arrêt cardiaque ou quoi? Oh, c'est beau ça, des véhicules qui passent et puis qui disparaissent dans le décor. Ça y est, c'est à moi? Non, c'est toujours à eux. Je crois que je vais griller le feu. Enfin, si c'est un feu vraiment. Bah, me semble, hein. C'est un peu long. Eh, eux là-bas en face, ça fait déjà deux fois qu'ils passent, hein. Et moi alors? Je pue? Non, je me suis lavé ce matin quand même, merde. Ah, il me refaut un café là, parce que attaquer comme ça sur un jeu comme ça, c'est un peu dur. Bon, hey, c'est quoi? La circuit est buggée. Bah, je veux bien, c'est l'équivalent du feu rouge, mais Ah là, le feu, il veut pas passer au vert pour moi, quoi. C'est un peu con. Donc, je pense que je vais y aller. Ouais. Salut, Jules. Bon, j'y vais, de toute façon, hein. Y a personne. J'espère qu'il n'est pas encore commercialisé. Mais bien sûr que si qu'il est commercialisé. Attends, bouge pas, je vais sur la fiche Steam vite fait. Juste pour le plaisir. Où est-ce qu'il est, Tramsim Monique? Attends, Tramsim Monique. Hop là. Alors, à combien qu'il est? Ah non, le 4 novembre. Autant pour moi. Ce jeu doit être disponible dans 2 jours. Ah ouais, ok. Eh ben, les gars, j'espère pour vous qu'il sortira pas dans 2 jours comme ça. Oh, une Tesla? Ah ouais. Oh, une autre Tesla? Non. Ouh, punaise! Ouh, punaise! Il y a un carton. Tiens, allez, on va essayer de se... Oh, aïe, 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 c'est une catastrophe. C'est lag de ouf. On va conduire un peu en vue extérieure.
Oups. Oups. Impact. Collision avec une voiture. Attention, encore une autre. Et encore une autre, parce que j'aurais pas le temps de freiner. Et encore une autre. Et encore une autre. Aïe, 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 aïe. Encore une. Oh, 3 FPS. Ma config est en train de faire. Ah, je fonds, je fonds. Putain, ça chauffe en plus, c'est vrai. Oula, ça passe juste. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oula là là là. Ah, frein d'urgence, c'est où? Là. Ça marche même pas, même le frein. Attends, attends. C'est pas possible. J'appuie sur le frein d'arrêt d'urgence là. Il y a un gros gros problème sur les commandes. Frein d'arrêt en station. Non, j'ai vu frein d'arrêt d'urgence tout à l'heure. Arrêt d'urgence, backspace. Eh ben, c'est ce que j'appuie, backspace. Il est là, regarde. Regarde, frein d'arrêt d'urgence, mon cul, il n'y a pas de frein d'arrêt d'urgence là-dessus. C'est pas vrai. Salut Vincent. Ne viens pas Vincent, tu vas te faire du mal. Ah la vache. Alors tu vois là, là... Hier, j'ai fait un petit sondage sur YouTube pour demander est-ce que vous préférez que les jeux de merde, je les teste à l'unité ou plutôt en paquet, en gros paquet de merde. Le problème, c'est que là, Tram Sim, c'est quand même... Putain. Ouais. Oui. C'était le tram volant, bien sûr, bien sûr. Là, je sais pas, tu vois, pour moi, c'est... il a toute sa place sur Univers Simu, quand même. C'est une des Simu qu'on a couvert au début, mais... mais il a aussi sa place dans les jeux de merde, c'est horrible. Aïe 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 aïe. Mais comment on peut sortir un jeu comme ça, fini à... coder avec le cul, le mec il a pris son clavier, je vois bien le développeur, il est arrivé, il a fait « Oh, je vais coder les gars !» Oh, il s'est assis sur son clavier avec son gros cul et voilà, c'est bon, le jeu est codé. Génial. Même la commande préférée de Bruno ne marche pas. Backspace. Supre, supre. Il n'y a rien qui marche, la rampe handicapée ne marche pas, il n'y a rien qui rampe, c'est honteux de laisser les handicapés sur le trottoir comme ça, c'est honteux. Ah, ils auraient jamais dû ouvrir les accès aux streamers, mais non, mais c'est bêta, hein. Il y a marqué bêta 0.2, le problème c'est que le jeu sort dans 2 jours et ce sera le même. Il y aura peut-être à la place marqué Early Access 1.0. Qui voudra dire exactement la même chose. Il y a des portions de ville, Vincent, t'as tout loupé. On est passé sur des portions de ville qui ne sont même pas faites, quoi. Tu traverses un désert avec une mer au fond. Il y a la mer à Munich. Waouh. C'est la mer Monique, elle est bien connue, hein. Mais non, c'est... ah là 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 là. Bon, oui, tu... alors par contre, tes commandes sont plutôt simplifiées et le tram est moins capricieux à partir. Peut-être parce que j'ai mis en commande simplifiée. Ah oui, 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 Vincent, c'est pas un DLC, c'est bien un jeu à part entière. Ils ont pas fini le premier. Ah, c'était quoi, ça? Putain, on se croirait dans Cyberpunk avant qu'il soit patché. Il y a des piétons qui spawnent comme ça. Je rappelle ma config, hein, Intel Core i9-9900KF, RTX 12 Go 3070, 64 Go de RAM, un SSD qui pète le feu, qui te crache 2 Go à la seconde. Mais à part ça, on a toujours des chargements et des chutes de FPS à gogo, quoi. C'est honteux, c'est honteux. Surtout que voilà, c'est pas dingue quoi le jeu. Il y a 3 bagnoles qui s'affichent. Enfin hier je jouais à Cyberpunk sur mon PC portable quand même, merde. Bip. Même le klaxon déconne. J'appuie sur la cloche, ça répond. Là, j'appuie.
Je vous mens pas, j'appuie, regardez. J'appuie sur la touche 0. Là, j'ai bien le doigt appuyé dessus à fond. Et vous entendez une cloche? Eh ben non. Faut rappuyer dessus et 2 secondes après, on a le son de la cloche. Ah, j'en peux plus. Pourquoi je m'inflige ça dès le matin? Et la signalisation, on va attendre un peu parce que tout à l'heure j'ai quand même attendu 3 plombes, j'ai pas vu la signalisation changer. Alors ça se trouve la signalisation n'est pas encore implantée, tu sais. Non, tout à l'heure j'ai cru en voir une changer, mais je suis pas sûr. Allez vas-y, passe au vert mais pour moi s'il te plaît. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah c'est bon, c'est pour moi, je peux y aller. Regarde ces quartiers là, ils sont à peine terminés quoi, les bâtiments, les fonds de rue sont pas faits. Ah, si le premier s'était bien vendu, pourquoi ne pas l'avoir terminé? Plutôt que de nous pondre ça quoi, pourquoi ne pas avoir fait un DLC, le mettre sous forme de DLC, ne pas retoucher au cœur du jeu? Bon, j'avance. Hein. Fuck la circulation, fuck les gens, fuck tout le monde, j'avance, vous me faites chier. Regarde la mer là-bas, Vincent. Waouh. Oh, bordel. Ah, j'ai cru entendre Terminus. Attends. On va aller jusqu'au bout de la voie, tiens, on va voir. Est-ce que j'ai une map, un truc, je sais pas. Ah, on peut changer l'heure. Ah tiens, on va s'amuser à changer un peu les conditions quand même. Oh là là, c'est trop pour moi. Fenêtre de profil, non, je m'en fous. Ça. Les horaires, non, je m'en fous complètement. Vas-y, mets-moi de la pluie. Fais-moi peur. J'appuie le soir. Waouh! Alors, est-ce que les essuie-glaces vont faire des traces? Je connais plus les touches pour les essuie-glaces. Essuie-glaces I et contrôle. Bon, les essuie-glaces font des traces sur Paris. C'est déjà ça. Par contre, je sais pas, c'est un peu fade. On va remettre. Il y a la neige. Brouillard, orage, soleil, nuage, orage. Allez, vas-y. De nuit. Un orage de nuit. Ah ! Sous les phares. Où sont les phares ? Non ? Les phares. Feu de route F. Putain, je ne vous mens pas, je m'excite sur la touche F. Je n'ai pas de phare. Phare. P. Non, P c'est pause. L. Ouais, L c'est l'éclairage intérieur. J'ai pas de phare. Comment voulez-vous que je sorte la rampe handicapée? Il n'y a aucune touche qui fonctionne même pour les phares. Il n'y a rien. Attends, on va l'arrêter le bazar. C'est pas normal qu'il n'y ait pas des phares. Comment on dit phare en allemand? Je sais pas, on va toucher à tout. Non. Normal, schnell. Non. Là, l'orage est bien fait, on se croirait dans Ranch Simulator. Eh, c'est vrai, hein. Licht. Licht. Alors. Ça pète hein. L'orage est bien fait. Par contre, l'orage est tellement bien fait qu'en fait j'ai l'impression de rouler les fenêtres ouvertes. C'est-à-dire que j'ai l'orage et le bruit de la pluie comme si j'étais dehors quoi. Y a pas d'insonorisation de cabine.
Bon, on va peut-être se remettre de beau temps quand même, parce que... Hop, ou au moins... Non, de beau temps. Soleil et... du soleil à 21h, c'est un peu tard. On va se mettre à 14h. J'ai demandé du soleil. Mais c'est quoi ce service météo de merde? Voilà. Ah, génial. Putain, si on pouvait commander la météo comme ça. Ah là 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 là. Ah. Je crois que nous avons un petit problème. J'ai dû toucher à des boutons qu'il fallait pas. Genre ça, j'en sais rien. J'ai pas touché des trucs. Je peux plus avancer. Ah si, ça y est. Génial. À gauche, bouton bleuté. Ah oui, mais ça c'est quoi? C'est l'appel de phare, ça. Tu vois? Phare, ça marche? Je sais pas si ça marche. Ah, c'était peut-être... Attends. C'était peut-être ça, en fait. Phare, touche F. Non, mais la touche F ne fait rien du tout. Je crois que mon titre Twitch va être le même... que mon titre YouTube. Un jeu fini à la pisse. Je vois déjà la vignette, quoi. Un développeur en train de pisser sur le clavier. Ha. On va oser, on va faire une vignette putaclic comme ça. Non mais là c'est une honte. Je ne sais pas combien ce jeu va être vendu. C'est ça qui me fait peur, en fait. Est-ce qu'il y a un pack? Je vais regarder vite fait. Il n'y a pas un pack sur Steam, un truc événement. Non. Je regarde un an de Tram Sim. Ouais, bah, il ferait mieux de terminer un an le premier, peut-être. Ce serait peut-être mieux, non? The Simulator. Finissez le premier, putain. Ah, collision avec un humain. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de voir. Bah non, en fait, il y a rien sur la fiche Steam. Il y a rien du tout. C'est vraiment une catastrophe. Bon. Tu rigoles, Vincent, faut jouer le jeu. Ils envoient le jeu en disant vous pouvez streamer, vous pouvez faire le test. Oh putain, McDonald's. Non. McDo aurait lâché. McDo a lâché des thunes ou quoi? Ils ont sponsorisé le jeu. Oh, ce détourage Photoshop. C'est bon ça. Aïe aïe aïe. Oh putain. C'est Jules. Putain, c'est le McDo, putain! Mais c'est pas possible! Ils peuvent pas faire ça à McDo, ils savent très bien que tout le monde va s'arrêter! On voit un M de McDo, on s'arrête, on regarde! Eh ben non, c'est la seule boutique où les personnages et le fond de décor est pourrave. Et en plus, ne reflètent pas du tout le McDo, quoi. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve que les textures étaient beaucoup plus belles dans le Tram Sim Vienne. On avait pas ça dans Tram Sim Vienne, quoi. Les jumelles, ça on les avait déjà, mais. Je sais pas si on pourrait résumer le jeu à cette image. C'est un peu dégueu, non? Oh, je pense que tu peux enlever ton point d'interrogation, Vincent. Sans problème. Ah, je peux même pas me barrer trop loin. Ah non, mais là, hey, les gars, c'est injouable. Je tourne à. Dès que je tourne un peu trop vite, j'ai 3 FPS. Oh mais le test il va être vite fait hein. Puis tu sais faut pas s'attendre à des merveilles hein, Vincent. On s'est attendu à des merveilles sur le premier, on n'a rien eu. Tac. Allez go. Oh ils sont rentrés dedans. J'ai vu. Ah bah il a disparu. Aïe 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 aïe. Bon, je pense que je vais arrêter. De streamer ce truc là. Qu'est-ce qui. Ajoute le tram devant et c'est résumé. Non mais ouais, mais c'est. C'est
c'est à la limite. Regardez-moi ça, mais putain, mais. Mais non, quoi, putain. Le jeu sort dans 2 jours. Je veux bien attendre 2 jours pour publier mon test, mais. Sincèrement, vous y croyez-vous que dans 2 jours, tout ça, ça va être corrigé? Il y a marqué quand même en bas 0.9. C'est pas 0.1 quoi, on peut même pas se dire bon allez le jeu commence le développement, allez on en a encore pour 6-7 mois de fignolage, les bases sont là. Non non, là c'est le jeu est là, on a la phase d'optimisation devrait être bouclée, surtout à 2 jours du jeu, et bah non quoi, enfin c'est pas ça. Et bah, je ne préfère pas mettre le casque VR tout de suite Vincent. Vu l'expérience catastrophique du dernier. Le dernier, j'attends toujours. Je veux bien revenir dessus en VR. J'attends une ultime update de Tram Simian. Oh putain, regardez ça, un cul de chatte. Monsieur, j'ai ma rampe handicapée, mais là, je pense que je peux pas faire grand chose. Oh, on en a deux. On a deux cul de chatte. Ah. Attends, il ressort du sol. Mais pourquoi j'enregistre pas? Bah si, j'enregistre, je stream. On a des preuves. Oh, bordel. Ça fait un an que j'attends Swiss Gym que le premier il fasse quelque chose dessus. Un an. Quand ils ont sorti la fameuse update VR, là où on les voyait tous jouer avec les mains, je me suis dit, oh mais ça va être génial, c'est ce qui manquait au jeu. Je mets mon casque, j'ai vu mes mains, j'ai commencé à toucher des boutons sur le tram, et là, c'est le drama. 2 FPS, le machin qui buguait, ça m'a filé la nausée, j'ai dit, ah, c'est pas la peine. Ils ont rien fait quoi. Ils ont fait que le saccager. Je sens me fatiguer. Ah non, je suis en pleine forme, au contraire. J'ai pas bu encore mon deuxième café, je suis qu'au premier. Je vais aller me resservir un bout de Kouglof avec un café, là, puisque Vincent a décidé de s'attaquer à mon régime. Après la raclette d'hier et puis le gros week-end bien chargé. Salut, copain. Dring, dring. Tut tut fils de... Et j'en suis déjà à la moitié hein, du coup Vincent. Salut Céric. Stop. On va s'arrêter là. Attends. J'aurais bien voulu faire le tour complet de la ligne. En fait ça se trouve je l'ai fait, je sais même pas. Parce que je regarde le chat toutes les 2 secondes. Hop, stop. Voilà, vous pouvez monter, allez-y. Il n'est pas très Covid-friendly ton masque. Là, ils ont même eu le temps de faire des tatouages sur le bras du gars, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Ah. Pas d'origine française, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça dit? WhatsApp. Ouais, non. Oh bah vas-y. Ça va te faire foutre. München East. Was ihr draus macht? Ça veut dire quoi, draus? Salut Swan. Non, il faut qu'on appelle Tonton Lulu. Pour lui dire que c'est un drame. Ces développeurs ne savent pas coder ni modéliser. Tra la 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 la. Est-ce que les piétons respectent la signalisation? Le slogan m'invite à faire des activités extérieures. D'accord, bah je me casse, t'as raison. Pourquoi je suis à l'intérieur à tester un jeu de merde comme ça? Aïe aïe aïe. Oula, 2 trams à afficher. Oh, attention, 2 FPS. J'aimerais bien, attends. Est-ce que je peux dégager ça? Fenêtre de profil, voilà. C'est ça la fenêtre de profil. Tu vois, je la désactive et elle reste active. Plus rien ne m'étonne. Je voudrais faire un screen en fait.
Je peux même pas. Je peux pas me foutre en caméra libre. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah! Non. Si, car... Non, je peux pas me foutre en caméra libre, c'est pas possible. Bah, je ferais bien un screen, mais... Voilà. Faut que je fasse une vignette pour la vidéo de tout à l'heure, mais... Oh non, non, mais non. Ouais, mais il y a ce putain de truc là, dans le coin là. Ouais, c'est pas terrible mon truc. Bon, allez. Sur ce, moi je crois que je vais vous mettre le train. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise? Non. Attends. Hop, point mort. On repart. Oui, ça marche. Je vais vous mettre le truc pleine balle et puis je vous ai regardé le décor. Moi, je vais me refaire un café, je crois. Kraus dehors. Une tranche. Il va me falloir un quart au moins là. Waouh, la belle fresque. Non. Merde. Collision avec une voiture. Mais compris. Yeah. J'ai compris. Je referai pas, promis. Pas taper. Ah, Kevin vient se faire du mal. Kevin, tu as loupé. On en est à 54 minutes de live. 54 minutes de pur désastre. Ni plus, ni moins. Regarde, voilà, tu vois, la chute de FPS parle d'elle-même. Ah là 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 là. Challenge, jouer 2 semaines de suite. Ah non, non, non. Faire un live quotidien, faire ma tournée sur... Aïe, aïe. Non, je pourrais pas. Autant sur Train Sim World, je pourrais. Mais là... Non mais là, regarde. Non mais regardez. Là, c'est plus possible. Là, il y a 3 bagnoles à afficher. Ça y est, c'est terminé. Le jeu, il est à plat, quoi. Attends, on va s'arrêter, voilà, hop, le temps qu'ils réfléchissent un peu. Je peux même plus descendre. Ah bah on a les mêmes personnes qui étaient dans le McDo. Les personnes détourées, ce détourage Photoshop. Mouah. Ah là là. Je pense que le graphiste a fait de longues études pour savoir utiliser l'outil lasso de Photoshop pour faire son... Putain, mais je peux même pas tourner, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Bon, j'abandonne. Sincèrement, j'abandonne. Voilà, bon, en tout cas, merci d'être venu voir cette présentation d'un jeu qui sort dans 2 jours et qui est, bien sûr, en bêta et qui sera en bêta encore pendant 2 ans, au moins. Pourtant, à Vienne, ça ramait moins. Non, à Vienne, ça ramait pas. Sur la fin, ça ramait pas. Ça ramait quand tu étais avec... avec le... Comment le... Vas-y, ouvre-toi, Sésame. Hop. Avec le casque VR. Ah non, mais là, c'est terminé, là. Putain, je vais juste regarder un truc. Petit gestionnaire de tâches. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il rame autant? Performance. Bon, le processeur, il se repose, il est à 20%. Le GPU, il se repose, il est à 40%. La RAM GPU est... Ah, elle est gonflée quand même. Tiens, attends, je vais la regarder un peu. Je vais jouer. Je vais jouer un petit peu. Hop. Comment se comporte la RAM GPU? Ouais, il arrive quasiment à venir me saturer la RAM quand même. Hein. Ce gros cochon. Putain, pourtant, il n'y a quasiment rien, quoi. Et je dis quasiment, la RAM n'est pas saturée. Ça justifie pas ces chutes de FPS. Hein. Regarde, ouais. Il vient bouffer ses 8 Go de RAM de VRAM. Mais là, je vous jure, c'est le parcours santé pour mon GPU. Il tourne à 30%. Mon processeur, il est à 34%. Attends, est-ce qu'il prend le multicœur au moins? Un peu. Ouais, jeter un petit coup d'œil. Hop. Ouais, c'est bien étalé sur les 16 cœurs. Non, mais je sais pas. Pourquoi il s'arrête lui? Oh!
Avance! Putain, mais... Non, mais... Non, mais on se fout de la gueule de qui, là? Oui, collision avec une voiture, mais c'est pas de ma faute, le mec est arrêté à... On sait pas pourquoi. Ça me donne même pas envie de regarder le décor, en plus depuis tout à l'heure je joue, mais autant à Vienne, je regardais un peu le décor, il y avait des scènes, je m'arrêtais des fois, je me mettais en mode piéton, j'allais marcher un peu, autant là, rien du tout, rien du tout. Ah, comment elle s'appelle cette place là, à Munich? C'est connu ça. Non? Si, sûrement. Même à 1€. Non mais il devrait être offert en compensation pour tous ceux qui ont voulu jouer avec un casque VR à Tram Sim Vienne. Mais vraiment. Mais il se passe quoi là? En fait ils attendent quoi? D'accord, ils sont rentrés dedans, lui a voulu se garer, l'autre a pas voulu. En fait c'est que ça. C'est que ça. On passe notre temps à attendre bêtement. Carolinenplatz. Quelle culture, Vincent. Ou alors t'as été foutre un coup de Wikipédia vite fait. Attends, est-ce qu'on peut lire ce qu'il y a marqué dessus? Aorzich Tarben Fur quoi? Des. Oh, j'arrive pas à lire. Bon, hé hey. Bah je crois que je vais être obligé de me les faire un par un. Strike Simulator. Oui, j'ai compris. Hop, le deuxième. Oui, j'ai compris. Le troisième, non, c'est bon. Voilà. Wikipédia. Oh, ça freine bien. A défaut d'avoir le frein d'urgence qui fonctionne. C'est quoi que j'entends? Tic tac. Ah merde, j'ai mis un clignotant. Ah oui. Ouais. T'as raison, on arrête le massacre. Quittez le jeu. Bon allez, on va se faire un petit récap de ce truc-là sur YouTube. Mais t'as raison, Vincent, allez dans le doute, je vais peut-être lui laisser les fameux 2 jours. Peut-être que il y aura un patch Day One, mais je te jure que je le massacre le 4 novembre. Si le jeu est pas patché avant le 4 novembre, il a le droit à sa vidéo massacre. Nouvelle vidéo pendant midi. Alors non, aujourd'hui ça va être compliqué. Demain compliqué. Jeudi extrêmement compliqué. Je suis pas là. Prochaine vidéo, ce sera vendredi. Vendredi pour YouTube. Mais je vais en faire une là tout de suite pour YouTube. Je vais voir si j'ai le temps de jouer au jeu. Bah, Vincent, tu sais de quel je veux parler. Le jeu où tu as fait 20 tours. Je vais juste le présenter très très rapidement dans les très grandes lignes. Un petit truc de 5 minutes. Un petit jeu gratuit qui mérite pour le coup, lui il est pas codé avec le cul, il faut vraiment y jouer en fait. Au moins se le télécharger, il est gratuit et se poser dessus 2, 3 heures, 4 heures, histoire de. Pour sa culture générale, en tout cas, si vous n'êtes pas dans le monde agricole. Ouais, l'initiative du jeu mérite qu'on en parle, mais complètement. Et puis bah là pour le coup on est vraiment sur la bonne chaîne pour en parler. Bon bah allez, bon café, moi je vais me reprendre un café et un gros morceau de Pougloff et je vous donne rendez-vous plus tard sur YouTube. Allez, ciao tout le monde.